n'est pas le droit à quitter le monde en y renonçant déjà. Nous voulons se donner cette langue du fécond de la vie de Ningamanou, vie d'homme, de chrétien et de prêtre, aimant la vie, l'Église, la liturgie et son chant. Le Eucharistie quotidien de l'Église est célébré dans sa dernière communauté de Massengo, près de sa chambre devenue sanctuaire, était le centre de la journée de la vie de Ningamanou. Il le considérait depuis son lit. Aujourd'hui, l'Eucharistie est de nouveau célébré pour offrir à Dieu cette vie. Veuillez vous lever.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Amen. Ce n'est pas une répétition. L'abbé Denis Marlon est prêtre de la salle dans le champ du Seigneur. Pour la tradition des signes, c'est Monseigneur l'archevêque de Wallo, Monseigneur Victor Aragnac, qui va nous guider dans ce rituel. Signe de la lumière. Nous animons ces flammes, veille à la réveille, notre frère. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, ces lumières se parlent. Que nous allons à peine pour repartir dans l'espérance. Le vêtement blanc. Seigneur, regarde avec miséricorde l'abbé Denis. Il a porté ce vêtement, signe de vie et de joie dans ton amitié. Il se présente devant toi avec le vêtement de fête de tes amis. Cette foi que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi. Tu nous as aimés jusqu'à nous dire pour nous. Que cette foi soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour la vie et pour chacun de nous. À propos des fleurs. Que tous ceux qui ont des fleurs les apportent maintenant. Quand les mots nous manquent, les fleurs que nous offrons disent la route. L'affection, la tendresse qui habite notre cœur. La Bénédie, avec ses cœurs, c'est toute l'affection pour toi que nous apportons. Donne merci pour tout ce que tu nous as transmis, les valeurs pour construire notre vie, de la joie et de l'amour à profusion. À présent, nous allons demander pardon et que le Seigneur, à travers sa miséricorde, nous accorde la paix dans la famille biologique, la paix entre nous tous. Bienvenue. Oh,
à la fin de la proclamation de l'évangile, tous nous resterons debout jusqu'à ce que le texte nous bénisse avec le livre de la parole. Maintenant, veuillez vous lever. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 14, du verset 1 plus des versets 7 à 14. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, cède ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir.
Excellences, nos seigneurs archevêques et évêques, bienvenue Manamika Bafouakouaou, archevêque de Brazzaville, Victor Abanya Mossa, archevêque de Wando, Miguel Olaveri, archevêque de Pointe-Noire, Urbain Gassongo, évêque de Gomboma, Hildever Mathurin Mwanga, évêque de Kinkala. Chers confrères prêtres, révérends frères et sœurs religieux, religieuses, chers parents de la famille biologique de Yadeni, chers fidèles chrétiens, le départ de l'abbé Denis Ngambanou vient rallonger la liste, hélas déjà trop longue, des confrères décédés ces temps-ci. En effet, il y a à peine 2 mois, le 5 avril, nous étions ici pour les obsèques de l'abbé Jean-Marie Mbemba. Aujourd'hui, voici que nous quitte un aîné, à l'instar de l'abbé Isidore Malonga. L'affliction que son départ cause dans nos cœurs n'a rien d'égal que le tenaillant désir de vouloir vivre ancré en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En ces temps où la joie pascale fait river les yeux de l'Église vers l'attente de la venue de l'Esprit-Saint, on peut ne pas lire la mort de notre grand frère abbé Denis selon le prisme de Jésus-Christ mort et ressuscité. Ce caractère pascal, ou pour le dire en mots plus ronflants, la pascalité de la vie chrétienne, donne à Yadeni l'avantage d'avoir consommé sa vie de plus de 50 ans de sacerdoce au service de Jésus-Christ et de son Église, au service des hommes de ce monde. Abbé Denis a suivi le parcours classique de la formation du prêtre, depuis le petit séminaire jusqu'au grand. Son envergure intellectuelle fait de lui le plus grand musicien, ou tout au moins le plus capé des musiciens dans l'Église. Mais malgré sa modestie, n'oublions pas que l'immense œuvre musicale de Mgr Batantou, à l'ombre duquel il a longtemps travaillé, a été arrangée par lui. C'est son harmonisateur attitré dans la presque totalité des chants du prélat et d'autres compositions musicales dans l'église de Brazzaville. Et à ce propos d'harmonisation, les sables mouvants de la vie ont failli enliser Abbé Denis dans les oubliettes de l'histoire, en le cachant dans les tiroirs de l'oubli. C'était un grand musicien, c'était un musicologue. À la lumière de la parole de Dieu que nous recevons dans la foi de l'Église, nous pouvons dire avec assurance que Abbé Denis Ngambanou a vécu les 3 pulsations spirituelles de la vie fraternelle décrites par Saint Jean dans sa première lettre. 3 pulsations, à savoir la vérité, la paix, l'inhabitation divine. Saint Jean dit, et je cite, « Nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. » La vérité. Je cite ici un épisode qui m'est revenu tard dans la nuit, où pour la première fois j'avais vu l'abbé Denis se fâcher. Nous étions dans cette église.
Et Monseigneur Batantou avait quelques délicatesses, il avait un conflit ouvert avec un prêtre. Et on essayait d'arranger pour que le prêtre assume son affectation qu'il boudait. Après multiples prises de parole, Abbé Denis, outré par la têtutesse de son confrère, se leva en colère pour l'interpréter devant tout le monde. « Monsieur l'abbé, monsieur l'abbé, nul n'est prophète chez lui. Mais comment se fait-il que toi, tu le sois dans ta paroisse ? L'évêque t'a affecté ailleurs. Vas-y, ne t'incruste pas dans un seul lieu. » Silence de mort. Il était donc vrai et il voulait que son confrère accepte humblement le désir de l'évêque. Mais son emprise réelle et profonde, et à Denis l'a marqué par sa rigueur, frisant même parfois la rigidité dans l'action liturgique. Les chrétiens de Sainte-Anne m'ont témoigné de sa maîtrise aboutie du chant grégorien. Il chantait juste, il connaissait les notes, et puis voilà, et le latin sans problème. Je me souviens qu'à la messe d'investiture de Monseigneur Anatole Milandou comme archevêque métropolitain de Brazzaville, il était la cheville ouvrière. Messe managée avec maestria. Une année après cette investiture, il a tenté de réunir quelques prêtres pour former autour de l'archevêque comme un cabinet occulte. Comme disait-il, l'avait fait le général de Gaulle pour aider Monseigneur Anatole dans sa nouvelle tâche épiscopale en étant à Brazzaville. L'abbé Denis a voulu toujours travailler dans la paix, à l'ombre du tumulte. Son âge sacerdotal, près d'un demi-siècle ou plus d'un demi-siècle, il a été ordonné exactement le 28 juin 1970 à Notre-Dame. Donc son âge sacerdotal peut lui conférer de porter le titre de noblesse de la fidélité en Dieu. En effet, dit saint Jean, celui qui demeure fidèle à ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons, dit-il, qu'il demeure en nous puisqu'il nous a donné son esprit. Première épître de saint Jean, chapitre 3, verset 24. N'est-ce pas là 52 ans de sacerdoce ? N'est-ce pas là le signe d'une indéniable inhabitation divine ? L'Évangile vient renforcer le clou en parlant de ce repas sabbatique pris chez un pharisien qui va servir à Jésus-Christ de prodiguer une belle leçon d'humilité. Pour entrer au festin du royaume des cieux, les hommes doivent quitter leur attitude orgueilleuse et se reconnaître pécheurs comme tout autre. C'est-à-dire, on doit occuper la dernière place. Or, effectivement, dans le diocèse de Brazzaville, l'abbé Denis n'était presque jamais dans le peloton de tête lors des nominations. Il n'était pas en pole position dans la hiérarchie. Ses ténés effacés s'excluaient de lui-même par son humilité et par sa maladie des hautes sphères de la hiérarchie presbytérale. Notre prière en ce jour d'adieu est que Dieu le fasse lever de son rang pour s'entendre dire, pour que l'abbé Denis s'entende dire « Mon ami, avance plus haut. » Et à Denis connaissait la musique,
Ça, c'est, il n'y a pas de conteste. Et à un moment, au grand séminaire, on devait être en théologie ou en philosophie, je ne sais plus. C'était le professeur de musique. Mais nous sommes au grand séminaire. Donc après un mois ou deux mois de cours théoriques, un jour il vient, « Bon, aujourd'hui, on va faire une dictée. Prenez vos feuilles, on a mis, voilà, la portée. » Et on s'est regardé entre nous, dictée en musique. Celui-là, c'est quoi ces dictées? Nous, on pensait à l'orthographe qu'on faisait, mais bon. Vous êtes prêts? Oui. Ta, 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 ta. Mais écrivez. Donc, en même temps, on devait écrire la note. Si c'était un la, il fallait écrire un la, selon la tonalité qu'il donnait, et la valeur de cette note. Bon. En tout cas, moi, j'avais eu zéro. Ce sont les Centrafricains qui s'étaient bien débrouillés. Ils étaient un peu plus futés en musique. Donc après un semestre ou deux mois, voilà, ils voulaient tester. Mais c'était vraiment le combat de David contre Goliath. Il avait un immense talent devant les menus frétins que nous étions en musique. On ne faisait pas de poids. Et c'est là où mes cours de musique ont fini. Donc j'ai dit, c'est pas la peine. On ne pourra jamais même égaler le talent de cet homme-là. Il connaissait la musique, il connaissait son truc. Un ancien me disait, lorsque pendant les vacances, il venait à la cathédrale, tout le monde était subjugué, en train de voir comment il jouait à l'orgue. Et qu'aujourd'hui, la tradition dit Shikichangoma Kadiaminaka Mungomako. On aurait bien voulu que cette messe soit un grand honneur à cet aîné. Je crois que le diocèse a organisé ce grand honneur hier par le concert et aujourd'hui par cette messe. J'aimerais terminer en disant un mot un peu plus spécial à la famille. Il a sa grande sœur et à Barbe qui est là. Il y a ses sœurs qui sont là. Et j'aimerais dire ce mot, veuillez m'excuser, on la rit. Il y a Barbe, Nabeno Bishikanda, Betwan Senoua Touzebiti, Ba, Tala, Dimenene Buloko, Chinduka, Muna Chinduka, Tavira Bunduka. Tata Deni, Chimbevo, Kachina, Chalumbu Chiko, Bukerim Pelo, Watokokota l'hôpital, Tata Cardinal, Rugo Mutalaka, Miomi Atuzebi, Nitoani, Kairav, Rugo Chimiko, Te Diabète, Bujukota Munitu, Chibere Jinsende, Yaka Gangren, Bakaturin Lembo, Wamoko Bavutuba Kulukushigezema Akampen Katanga Ibelen Katanga Yaka Gangren Bakaturukur Bona Mimi Buiri Lumbuchi Mianjitukulu Kaka Mianjitukulu Ako Nzambi Kabonga Mwana Andi Mi mianitata muzudieto ni mkulu chindisa. Kuunga kairika, kuunga kiritanga, kampelu mbuchini uombe tufunu kuntangila. Iza Yezu, Iza Mswalu, Ntamana kukekolo, Ninge
Tata Denis. Yesu, oui, j'irai Mokujukubonga. Oui, j'irai Swalu, Mokukatula Katidieto. Chidwa Chitumfu, Chakowa Ilayan, Watufugisa, Mfumueto Yesu Christ. Amen. Ensemble, prions le Seigneur.
Merci Seigneur de nous avoir donné ce cœur, ton serviteur l'a béni. Accorde-lui ta miséricorde, ne regarde pas ses péchés, ne regarde seulement ses services rendus au sein de ton Église. Nous te prions.
Thank you.
Je l'ai grandi dans ta charité, à l'union avec votre père François, je te dis bienvenue, tous les élèves, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de la pénurie dans la nuit, ton serviteur qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous enfin, nous aimerons la volonté que règne avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son épouse, les apôtres de tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, qui ont vaincu la vie éternelle et que nous chantons par le monde et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. La paix de Christ. Amen.
Thank you.
d'amour. Fais de lui ici-bas un intendant de tes mystères. Accorde-lui de se nourrir au ciel de leur vérité enfin dévoilée. Par le Christ, notre Seigneur. La paix de l'île est devant nous, mais en nous. En notre mémoire et en notre prière, nous sommes en Dieu. C'est de là qu'il nous espère et nous précède. Restons pour nous. Nous nous asseyons pour écouter mon Seigneur. C'est juste un mot de remerciement. D'abord, à l'endroit de nos pères, archevêques et évêques, Monseigneur Vierre, l'archevêque de Padoue est arrivé ce matin. Ce matin, avec le vicaire général de Pointe-Noire, l'abbé Alain Mouéba à Kosso, ils sont venus pour honorer la mémoire de l'abbé Denis. Monseigneur Victor, archevêque de Wando, est arrivé de nuit, exprès, pour honorer la mémoire de son frère. De même, Monseigneur, le Père Gassoumo, est arrivé ce matin. Monseigneur, le gouverneur Mouaga, également ce matin. Tous sont venus pour nous soutenir dans cette épreuve. Je vous adresse les remerciements de l'archidiocèse de Brazzaville. Et de la famille. Merci au vicaire Christopo, merci à tous nos frères prêtres, que ce soit les supérieurs, les communautés religieuses, que ce soit les prêtres diocésains, tous les consacrés, merci pour votre présence. On va pouvoir soutenir Denis dans ses épreuves de maladie et aujourd'hui dans vos prières. Merci aux consacrés, religieux et religieuses. Un merci spécial à la communauté des sœurs de Notre-Dame Auxiliatrice avec le sœur Eliane Boukaka. Vous savez que c'est cette communauté qui a accueilli à Massico, bienvenue, pendant tout ce moment de paix, de souffrance pour l'Asie. Et cette communauté l'a accompagné jusqu'à sa mort. Vous allez m'excuser, mais on va pouvoir applaudir cette communauté. Bon, il faut le dire, je fais exprès de pouvoir. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a bien vu. Mais cette communauté sait ce qu'il a vécu. Il connaît, j'allais dire, tous les détails. Il l'a soutenu juste au bout. Nous l'avons aussi soutenu, mais de loin. Mais la proximité a été vécue par cette communauté. Alors nous disons merci. Merci aussi aux soeurs des titres des pauvres pour accueillir un certain moment, avant qu'il aille justement à Massimo. Et merci à vous tous. Merci aussi à sa famille pour la paix qui règne dans la famille. Nous, humains, quel que soit l'origine, nous avons suivi tout à l'heure dans l'homélie, le Père nous a parlé en dernier. Comme pour dire, le plus important, c'est la paix et l'unité au milieu de vous. Alors, nous, humains, nous allons parfois à gauche et à droite. Attention, c'est un prêtre. Il est celui à semer cet évangile. Et que cet évangile, n'est-ce pas, puisse vous souder, quelle que soit votre ramification.
que cet évangile vous soude et que vous restiez dans la paix. C'est ça qui va vous donner la mémoire réelle de vie. Alors merci à vous tous, aux choristes, à tous ceux qui ont organisé des veillées pour la mémoire de bien aimé. Merci à tous. Maintenant, nous allons nous lever pour le rite du dernier adieu. Cette prière du dernier adieu sera dite par le Seigneur pour le Père de Marie-Claire et les musulmans.
et nous espérons que tous vous ressusciteront. En signe de cette foi, je bénis le corps de la Bénédiction, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Maintenant qu'il a quitté ce monde qui passe, combien ton serviteur Seigneur dans ton paradis, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix. Celui qui aime a déjà franchi la mort. Avant de terminer notre célébration, nous nous tournons vers Marie. Elle est la mère du Christ et notre mère. Nous lui confions la bénédiction qui vient de nous guider, mais aussi tous ceux qui la laissent et qui connaissent la douleur de son départ. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci pour la sélection de après les évêques, les prêtres de Joyna, si vous êtes prêtres de Joyna, et puis au niveau de la famille, il y a 6 personnes suffisantes, en patrimoine. Voilà. Bon, c'est un petit détail, il n'est pas important pour aujourd'hui, mais vous le sachiez déjà. Le cimetière, là, c'est la demi clôture. Il n'y a plus de place. D'ailleurs, on a forcé, il faut vraiment la construire. Sinon, ça va être un peu plus grand. Et, bon, le conseil épiscopal va écrire à la mairie pour essayer de trouver un autre endroit. Parce que c'est juste pour nous informer. Le Seigneur soit avec vous. Le serment sera porté par les curés doyens. Le serment sera porté par les curés.
pas se mettre là. Frères et sœurs, rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Confions au Seigneur, celui qui nous quitte, l'abbé Denis. Nous répondons, donne-lui Seigneur le repos éternel. Donne-lui Seigneur le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Toi qui as fait revivre les morts, accorde-lui la vie éternelle à notre frère Denis, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as sanctifié Denis dans l'eau du baptême, donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu l'as nourri de ton corps, reçois-le à la table de ton royaume, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure-toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur Jésus, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre frère Denis, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Denis de reposer un peu dans ce tombeau jusqu'au jour où tu le réveilleras, pour qu'il voie de ses yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, vivons dans l'espérance de la manifestation glorieuse de notre Dieu et Sauveur, le Christ Jésus, et que Dieu lui-même comble notre frère Denis de la plénitude de sa paix pour les siècles des siècles. Amen.
ceux qui ont l'habitude. Hein, chez moi, toi. Pas comme ça, moi, tu dis pas, bah, chez moi, ici. Il est riche. Yeah.
Ah, c'est pas possible, mais non.